Vous avez dit des énormités, oui. Mais j'étais poli, j'ai laissé les spectateurs vous entendre. Oui. En essayant de m'interrompre, vous donnez l'impression que vous avez peur de ce que je vais dire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vous assure que je suis très calme là-dessus. Laissez-moi aller jusqu'au bout, non. Par politesse envers les spectateurs. Allez-y. Non, enfin, que la SAVAC n'existe plus, c'est quand même un peu énorme. Israël bafoue les résolutions de l'ONU depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leur terre. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice, c'est aussi simple que ça. Vous défendez les États-Unis, je les critique. Chaque fois que je parle, vous m'interrompez. Ça vous gêne que je m'exprime ici ?